Cela fait 2 ans que Pascal, agriculteur bio, s'est lancé dans l'élevage 100% naturel. Ici, sur sa ferme, pas de paddock ni d'aliments spécifiques. Ses chevaux de race très poitevin restent au pré et se nourrissent sur place. Il faut dire que ces bestiaux de 800 kg sont de gros mangeurs. Ils font partie d'une espèce en voie d'extinction. C'est une passion d'élever le trait poitevin. Ce qu'il faut savoir, c'est une race en extrêmement en danger. Il y a à peine 40 naissances par an. C'est une des 9 races de chevaux de trait français. Et c'est dommage que cette race-là disparaisse. Quelles sont les causes? Les causes, c'est la mécanisation. Et puis un peu l'oubli aussi des gens. Passionné par ses équidés, Pascal a eu une idée lumineuse et écolo. Mettre à disposition ses chevaux pour faire de l'éco-pâturage en milieu urbain, entretenir gratuitement les espaces verts des villes, tout en faisant la promotion de l'espèce auprès des curieux. C'est écologique, il n'y a plus de tondeuse, les animaux pâturent en toute sécurité et en toute sérénité. C'est très agréable. Ah oui, c'est naturel. C'est pas très sain ni rien, c'est naturel. Ah ouais, d'accord. Ça nous change de paysage un petit peu en ville. On n'a pas trop l'habitude. Ça nous fait des choux en pleine ville, ça change. C'est plus sympa que des tondeuses. Quoi. Bientôt, Pascal reviendra en ville et cette fois-ci, il proposera ses vaches maraîchines en éco-pâturage. L'agriculteur a d'ores et déjà une dizaine de chèvres poitevines en résidence chez des particuliers.